Donc. Euh, euh, les... Quel est l'intérêt euh, de, ce... de ce sujet euh, C'est euh, à la fois, si vous voulez, euh, de faire le lien hein, entre euh, les textes et les réalias. C'est une des choses qui euh, m'a passionné euh, tout au long euh, de ma euh, euh, carrière. Et de même qu'on ne peut pas comprendre le XVIIe siècle euh, sans faire référence euh, à Versailles. Hein. De même, je crois, et je vais essayer de vous le montrer, qu'on ne peut bien comprendre l'époque hellénistique, hein, donc cette euh, période que nous allons bal balayer euh, de façon très classique, des successeurs d'Alexandre euh, jusqu'à euh, Auguste, on ne peut pas la comprendre sans référence à un monument euh, qui... Euh, euh, appartient euh, à la fois à l'histoire de l'architecture, mais surtout à l'histoire de l'idéologie euh, royale. Et ce que je vais montrer, c'est comment on peut passer hein, de euh, ces euh, restes au euh, sol à une réflexion euh, sur euh, le contenu de cette idéologie euh, royale hellénistique. Donc je vais successivement aborder trois points d'une part un survol et une présentation des euh, palais euh, du monde de grec hellénistique, il n'y en a pas beaucoup euh, mais euh, il y en a quand même un, un certain nombre et euh, je vais ensuite euh, je vous parlerai du décor de ces palais mais surtout de sa signification et enfin de, euh, des fonctions palatiales, euh, administration, euh, réception, euh, religion. Hein, euh, Qu'est-ce qu'on faisait dans ces euh, palais Et c'est là où les textes nous euh, aideront. Alors les, le, le matériel, euh, le matériel, eh bien, il est euh, finalement relativement abondant et euh, euh, je vais euh, prendre trois séries, euh, d'une part la série macédonienne, il y a trois palais en Macédoine, euh, correspondant aux capitales euh, euh, macédoniennes, Vergina, Pella et Demetrias, Demetrias je n'en parlerai pas, euh, il y a euh, donc Vergina par contre, euh, c'est euh, la capitale traditionnelle, il y a ce topolis, mais là aussi c'est chez les traces, et je vais me concentrer surtout euh, sur euh, la partie euh, grecque. Donc la, le deuxième ensemble, c'est Pergame, hein, et euh, le euh, troisième ensemble euh, sera centré autour de découvertes très récentes à Irak -el -Émir et l'Émir euh, et Jéricho. Vous verrez. En quoi euh, ceci est intéressant, euh, car nous avons, euh, je crois, dans ces deux cas, une, euh, le reflet de ce qu'était la grande archi architecture palatiale euh, 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 alexandrine hein, euh, des Ptolémées d'Égypte, euh, qui malheureusement euh, ne pourra jamais être restituée euh, dans la mesure où elle a été complètement euh, rasée euh, par euh, la ville euh, euh, moderne. Euh, alors, il y a trois types de euh, palais à l'époque hellénistique. Donc le type macédonien, le type oriental, le type oriental alexandrin et le type pergaménien. Euh, prenons les, prenons euh, tout d'abord le type macédonien. On connaît ma maintenant assez bien les palais des rois de Macédoine érigés dans leur capitale traditionnelle, Éguée. Et qui euh, euh, voilà le, 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 la capitale traditionnelle euh, des Macédoniens, euh, c'est là où l'on a trouvé les fameuses tombes, hein, euh, qui, sont, euh, qui sont marquées, euh, euh, excusez-moi, les, les, c'est ça, la, la, la grande tombe dite de Philippe, euh, dite de Philippe II, euh, qui euh, se trouve euh, sur, le, sur le cercle. Ah, J'ai un problème de. Bon, peu importe, qui se trouve euh, sur, le, sur le cercle hein, au sud euh, de euh, la euh, diapositive. Bon, euh, ce palais occupe une position euh, élevée euh, par rapport à la plaine. Euh, là, euh, c'est une photo qui est prise euh, de. Du palais euh, sur la plaine euh, macédonienne et le bâtiment, et le bâtiment principal euh, s'inscrit euh, dans un rectangle de 104 mètres carrés euh, sur 88 mètres 50, soit quand même plus de 8000 mètres carrés. Hein. Et il comprend, il comprend euh, trois parties. Hein. Donc euh, voilà le plan euh, du palais. Il y a deux parties avec son annexe à euh, l'ouest. Si vous en avez deux sur cette image, mais là je vais passer sur les variantes, euh, celle qui est la plus récente, euh, c'est euh, euh, cette... Euh, merci, tu as... il faut appuyer sur... Non, pour le pointeur, ça. Très bien. Euh, il faut... Euh, euh, ne tenir compte pour l'instant euh, que de la, du plan euh, central euh, qui est le dernier état euh, des, euh, du palais euh, publié euh, en 2011 mais euh, on attend la publication dé définitive. Euh, à, donc à l'est, hein, une, une aile euh, qui euh, s'ouvre euh, euh, vers l'extérieur euh, comportant un couloir euh, monumental en trois parties, trois vestibules importants, il mesure en, en, en profondeur de 7 à 10 mètres, et, euh, de, et de part et d'autre, hein, vous voyez un certain nombre de, de, salles, euh, de salles allongées. Hein. Euh, il y avait sur cette euh, façade euh, aussi, nous le reverrons, euh, un. Voilà comment on la restitue. Je ne vais pas entrer dans le détail de la restitution. Encore une fois, euh, ce, qui est, ce qui a été publié en 2011 euh, montre bien en tout cas qu'il y a l'importance de, de l'entrée euh, avec un étage, hein, ce qui est euh, assez euh, important, et euh, deux de portiques de façade aboutissant à cette entrée. Euh, monumentale. Le palais, deuxième élément, comporte une cour, excusez-moi du peu, une cour de 2000 mètres carrés hein, entourée de salles de formes et de taille différentes. J'attire votre attention euh, sur euh, la série euh, M, c'est-à-dire sur des salles qui ne font pas moins de 300 m carrés chacune. Hein. On y restitue euh, avec sécurité euh, des lits euh, de euh, banquets mais euh, je reviendrai sur cet aspect donc des lits de banquet dans ces palais, car vous pouvez constater que là on en a mis dans chaque pièce. Hein, tout ce qui est contre les murs, hein, ces traits contre les murs sont censés représenter des lits de banquet, mais je suis moins sûr de cette proposition que... Nos collègues allemands ou même les Grecs qui sont responsables de ce euh, dernier euh, plan. Euh, J'attire votre attention aussi sur cet ensemble EFG en plein axe avec un riche décor de euh, mosaïque que nous verrons euh, un peu plus tard. Enfin, une salle ronde euh, qui a été pris euh, soit pour un bain, mais je, on n'y croit pas, et on attribuerait plus volontiers les fonctions cultuelles car il y a, on y a retrouvé une dédicace à Héraclès, donc on a découvert in situ. La troisième partie euh, de euh, ce plan, c'est euh, une terrasse euh, au euh, nord, euh, donc euh, donnant euh, la terrasse nord, donnant sur le théâtre, hein, et qui est disposé en contrebas, terrasse avec vue sur la plaine que je vous ai montrée. Et on peut poser une première question qui dirige au fond mon en, mon enquête. C'est pourquoi cette terrasse Est-ce que vous croyez que c'est parce que le souverain trouvait ça joli, comme on construit une une, une, une villa avec une belle vue Ce, ce n'est pas ce n'est pas inintéressant. Ce qui voudrait dire, si vous voulez, que le souverain aimait voir, lui aussi, assez loin. Mais, en même temps, cette plaine macédonienne, c'est la grande plaine riche, hein, et il n'est pas indifférent que le roi l'ait sous son regard et qu'il ait, au fond, le cœur de son royaume à ses pieds. Cette architecture palatiale se distingue radicalement de l'architecture domestique, sans doute par ses dimensions, mais surtout par la présence d'une façade. Vous le savez, la maison grecque traditionnelle est tournée vers l'intérieur, dispose de peu d'ouvertures sur la rue. Ici, au contraire, on peut restituer donc une façade à euh, étage. On peut restituer une façade à euh, étage dont on a un modèle complet euh, dans une tombe. Euh, en, en bas euh, à droite, qui est la tombe de, de Lefkadia, euh, qui est une tombe macédonienne, hein, euh, euh, typique euh, avec ses façades euh, architecturalisées, si je puis me permettre ce néo néologisme. Donc il s'agit bien d'une architecture révolutionnaire. Et euh, ceci est confirmé par euh, la fouille de euh, Pella, la deuxième capitale, euh, donc euh, construite au Ve euh, euh, siècle. Euh, comme vous pouvez le voir, euh, la cité a été conçue selon un plan en îlot régulier d'à peu près 45 mètres de large, pour une longueur va variable, euh, 110, 150 mètres. Bon, les, les palais sont situés euh, sur une euh, acropole. Les palais sont situés sur une acropole au nord de la ville et ils sont pris dans ce quadrillage. Ils couvrent une surface considérable, 60 000 mètres carrés. Et il s'agit en fait d'un complexe palatial de dates et de fonctions variées. Le palais 1, que vous avez, euh, que vous avez euh, ici, hein, le, palais, le palais 1, vous voyez mieux que moi, mais. Euh, euh, C'est bien ça, oui. Le palais, le palais 1 euh, couvre 7500 mètres carrés. La cour du palais 2, qui le jouxte, hein, euh, la cour du palais 2, euh, 13 000, le, la cour du palais 2 euh, mesure 1500 mètres carrés. Qu'est-ce que je dis 2500 mètres carrés. Dans la partie nord, il y a trois euh, pièces. Dans la partie nord, il y a euh, trois pièces euh, qui ouvrent sur euh, la cour par un couloir, flanquées de part et d'autre par des exèdres. Euh, ce qui est tout à fait intéressant, euh, c'est que euh, le palais 1 et 2, donc, euh, qui couvrent à, à, à eux deux 13 000 mètres euh, carrés, sont euh, liés par deux portiques en euh, façade, où l'on retrouve les mêmes dispositions euh, qu'à euh, Vergina, le, le palais précédent euh, que je vous ai euh, montré. Et euh, ces portiques, de part et d'autre de l'entrée, se développent sur 153 mètres, de part et d'autre d'un propylone hein, qui est lui-même divisé en euh, trois parties euh, larges de, euh, de 15 mètres. Hein. Le palais 4 comportait des bains et un atelier de frappe monétaire. Le palais 5 a la forme d'un gymnase et il s'était peut-être tenu des jeux panhelléniques, mais je n'entrerai pas dans le euh, détail. Deuxième type, le type Atalide. Et là, euh, nous, euh, euh, nous avons une toute autre euh, conception. Euh, euh, alors que les, les constructions précédentes étaient impressionnantes, par leur taille, par euh, les partis pris architecturaux, hein, et euh, notamment les façades, les palais de Pergame euh, sont plutôt du type maison bourgeoise. Hein. Euh, sur la restitution, euh, on a multiplié les ouvertures à, à l'extérieur sans grande preuve. Euh, C'est euh, plutôt la position de ces palais sur euh, l'acropole, hein, le long de la muraille, euh, après la grande entrée. Il y a une, donc cette série euh, de euh, palais qui est intéressante euh, car ils sont juste derrière euh, le euh, sanctuaire euh, d'Athéna, lui-même au-dessus euh, du, euh, du, du, du théâtre. Et donc, euh, je dire, ils sont dans un endroit euh, sacralisant la, la monarchie. Alors, ce n'est pas uniquement pour des raisons de défense hein, que euh, ces palais se trouvent euh, sur le sommet euh, de cette euh, acropole. Euh, les, bon, vous le savez sans doute. Euh, les Atalides euh, fondent une dynastie avec Philétaïros euh, dans les années euh, 280 et ces palais bon, datent euh, de, de, entre 280 et euh, le euh, début du euh, second euh, siècle. Hein, alors que euh, Egé et les palais de Pella euh, et, euh, euh, que je vous ai présentés, les deux palais macédoniens remontent au IVe siècle pour euh, l'essentiel. Alors, seuls les aménagements des palais 4 et 5 euh, peuvent être restitués. Et je me contenterai de dire que les euh, dimensions du palais 4 et 5 sont modestes, à, celle, euh, à côté de celles que nous venons de voir, les cours mesurant respectivement palais 4 130 mètres euh, carrés euh, et euh, au palais 5 un peu plus de 400 mètres euh, carrés. Il y avait de belles salles. Hein, euh, dans ces euh, palais, néanmoins, la salle euh, nord de, de 5, hein, euh, qui fait quand même 150 mètres carrés, bien décorée de, mo de mosaïques, et euh, à côté, il y avait une salle où l'on a retrouvé une, une formidable mosaïque représentant un euh, euh, perroquet, animal exotique, hein, rare, faisant partie des volières royales. Et tout ceci... Hum, donc, pour vous préparer à cette analyse idéologique euh, du euh, décor euh, de euh, ces euh, palais. Troisième type, le type oriental alexandre. Euh, la richesse du décor, euh, l'originalité des, des palais d'Alexandrie apparaît à travers un texte de Strabon euh, qui nous dit euh, ceci. Euh, les palais à Alexandrie occupaient tout un quartier en bordure de mer. Sur le cap Lokias s'élève un palais royal. Plus en avant et du même côté, on trouve les palais intérieurs, contigus à ceux du Lokias et contenant de nombreux lieux de plaisance, d'une construction variée et des jardins. C'est dans Strabon, Géographie 17, 1, 8, 9. Les palais, comme je l'ai dit, sont sous la ville moderne, ne seront jamais fouillés. Mais. Euh, on dispose d'une imitation de ces palais, sans doute, euh, d'une imitation sans doute de ces palais en jordanie, à irak el amir, euh, qui est sur le plateau de Haman, hein, surmontant la vallée du jourdain, et euh, face, de l'autre côté, à jéricho, euh, sur lequel euh, je euh, reviendrai. irak el amir, il s'agit de la capitale d'un cheikh, appelons-le comme cela, nommé euh, Hircan, euh, qui est un juif euh, au service euh, des rois d'Alexandrie, euh, pour lesquels il, il servait euh, de euh, récolter des impôts hein, et puis, de temps, de temps en temps, euh, lui même euh, allait taper sur les tribus arabes. Vous voyez que les problèmes n'ont hein, pas changé euh, dans euh, cette euh, partie euh, du Proche-Orient. Et on en a la preuve dans un papyrus où il fait une offrande d'une petite euh, jeune fille euh, de 7 ans hein, euh, à Apollonios, euh, donc euh, le dieu 7, le ministre euh, de euh, Ptolémée II. Euh, euh, cet hircan a fait construire un palais, une résidence royale, au début du IIe siècle euh, avant euh, Jésus-Christ, avant notre, euh, notre ère, euh, à laquelle, avec une équipe, nous avons consacré une étude parue en 2010. J'ai eu la chance hein, de, de, de pouvoir aller à Irak el-Emir pour euh, euh, organiser cette synthèse sur des fouilles qui remontent euh, donc aux années 50-60, avec des noms prestigieux comme celui d'Ernest Ville, qu'il faut ici euh, évoquer. Alors, l'histoire de cet Irkan. Et de ce palais est assez bien connu grâce à Flavius Joseph, un écrivain juif du premier siècle de notre ère, et qui a euh, laissé toute l'histoire de la famille et une description de la euh, résidence. Euh, voilà à quoi quand même ressemble à hein, euh, remonter hein, le, le palais d'Irak Émir. Alors, ce qui en est conservé, c'est un pavillon long de 37 mètres et large de 18,50 mètres, présentant un plan tout à fait euh, original. Euh, il euh, euh, comportait, euh, donc vous avez le plan du rez-de-chaussée, le plan euh, de euh, l'étage, euh, euh, le haut et le bas sont superposables, euh, la partie noble était au premier étage et euh, décorée, euh, elle comporte une pièce centrale, hein, et elle comporte une pièce centrale avec une pièce qu'on pourrait appeler opistodome, enfin, qui se trouvait euh, euh, derrière. Euh, deux, deux éléments sont particulièrement dignes d'intérêt. En élévation, une loggia au nord, et euh, voilà, voilà la restitution. Euh, donc, euh, une. Euh, une, une loggia euh, au nord et un balcon euh, au euh, sud. Bon, façade nord et façade sud sont bien distingués sur ces euh, images. Euh, enfin, un décor en frise sculpté, hein, représentant une file de lions Et euh, au-dessus, euh, vous avez euh, euh, donc euh, des, des, des aigles. Hein. Tout ceci est sûr, hein. ce n'est pas du, du, du dessin de chic, ah, euh, vraiment, on a les, on a les, les, les éléments. Euh, on a pu prouver, euh, c'est notamment François Kerel qui s'est euh, intéressé, que le décor était de, de, de style alexandrin, notant que les aigles aux ailes déployées que vous voyez ici sont un symbole monétaire des Ptolémées, rois d'Égypte. Ah, et euh, il reprend, donc le, notre cheikh ah, reprend les symboles euh, de euh, ceux pour qui il euh, travaillait il ne fait guère de doute euh, que c'est ainsi qu'il faut se représenter les demeures des rois alexandrie hein. et euh, ce, bon, le, la diapositive est un peu pâle euh, mais elle est très intéressante car elle vous montre bien le pavillon dans son environnement tel qu'on peut le euh, restituer Autour du pavillon, avec euh, des jardins et des bâtiments hein, divers, euh, dont euh, une euh, forteresse euh, qui. Euh, il y a aussi des pigeonniers, euh, des, des, des grottes et un village, et un village fortifié hein, qui est marqué, je crois, euh, ici. Euh, et euh, donc euh, des pièces d'eau. On doit cette restitution à Jean-Pierre Braun, euh, qui a travaillé euh, assez longtemps à Irak et à l'Émir. Les différences de cette architecture palatiale avec celle de la Macédoine et de Pergame sautent aux yeux. Soulignons plus particulièrement trois traits, l'utilisation de l'eau, la construction de jardins et la répartition de salles à diverses fonctions dans l'espace résidentiel. Nous restons dans la même région et je terminerai cette revue euh, des euh, palais en vous euh, montrant les palais hellénistiques de Jéricho. Hein, vous avez vu sur la carte, nous sommes juste de l'autre côté euh, du euh, Jourdain, qui relèvent du même principe pavillonnaire. Le palais d'Hérode, car il s'agit d'Hérode le méchant hein, de la Bible, le hein, euh, euh, massacre des, des, saints, des saints innocents, euh, occupé, le palais d'Hérode occupait trois hectares de part et d'autre d'un cours d'eau artificiel du côté euh, sud hein, euh, c'est-à-dire du côté sud ici vous avez un jardin euh, qui n'est un, un jardin en contrebas hein, vous avez une piscine qui euh, commence un peu plus loin, et le tout avec une espèce de, 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 de bâtiment intéressant, euh, euh, sorte de, 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 de tour, euh, euh, qui euh, euh, comportait aussi euh, un bain euh, au rez-de-chaussée. Rez et, euh, et pour l'histoire, et pour la petite ou la grande histoire, euh, Hérode avait appelé, on le sait par les textes, euh, les salles de, de réception euh, du euh, palais euh, nord. Euh, L'une s'appelait Agrippa et l'autre s'appelait Auguste. Hein? Hein? Ce qui, là aussi, vous, vous, montre, vous montre bien dans quel contexte hein, nous nous euh, trouvons. Alors, cette architecture palatiale que je viens de présenter pose au moins trois questions. À quoi servent ces immenses cours à quoi servent ces balcons repérés en Macédoine comme en Jordanie, à quoi servent les différentes pièces de ces palais. J'essaierai d'y répondre euh, brièvement dans cette deuxième partie de mon exposé, mais je ferai tout d'abord un détour par un texte qui est susceptible euh, d'apporter euh, quelques, euh, quelques éclairages en euh, la euh, matière. Nous avons en effet, jusqu'ici je n'ai parlé que de restes euh, au sol, mais il y a des textes euh, qui euh, évoquent euh, notamment les bateaux royaux. Hein. Euh, il, y en a, il y en a deux, l'un qui concerne le bateau euh, de euh, Ptolémée IV et l'autre qui est la description dont je, vous ai, euh, dont je vous présente un extrait et qui est le bateau construit par Archimède. Hein, Excusez-moi du peu, pour Héron euh, II, euh, qui régna de 269 à 215 à, à Syracuse. C'était le plus gros bateau de l'époque. Il pouvait jauger, d'après les calculs, jusqu'à 20 000 tonnes, alors que la moyenne des bateaux euh, de, de charge hein, tourne autour de 300 tonnes. Et alors, euh, il, il avait euh, un aspect, je dirais, euh, pratique et économique. Hein, euh, puisqu'il euh, chargeait euh, du blé et d'autres euh, denrées. Mais euh, il y avait un étage, enfin il y avait trois, trois étages dans ce bateau, dont un qui était euh, réservé au roi. Et ce que vous avez sous les yeux, c'est euh, justement la, la description des appartements royaux. Alors rapidement, euh, vous le lisez, toutes les pièces avaient au sol un sol de mosaïque composé d'une grande variété de pierres sur laquelle figurait toute l'histoire de l'Iliade dans un style remarquable sur le mobilier, les plafonds et les portes, les mêmes thèmes étaient représentés avec art. Sur le pont supérieur se trouvait un gymnase et des promes noires. Il y avait là des jardins de toutes sortes, admirablement garnis de plantes et arrosés au moyen de gouttières en plomb cachées au regard et des tonnelles de lierre et de vigne. À côté avait été aménagé un aphrodisionne avec un sol d'agate et de toutes les plus belles pré pierres euh, précieuses que l'on trouve dans l'île. Les murs et les plafonds étaient en bois de cyprès et les portes d'ivoire et, et de cèdre odoriférant. Il était somptueusement pourvu de peintures et de statues, de même que de services pour la boisson. À la suite, il y avait une salle d'études elle comprenait une bibliothèque et sur le plafond, une voûte céleste à l'imitation de l'horloge solaire sur la cradine. C'est un des lieux de euh, euh, Syracuse même. Il y avait aussi un bain d'une dimension de trois lits. Ce texte fait rêver, hein, et je, on, vous pouvez essayer peut-être, euh, quand vous serez riche, euh, de vous offrir une villa de euh, ce type-là. Hein. Mais euh, il ne faut pas croire qu'il s'agit, je dirais, d'une imagination euh, littéraire. Hein. Euh, les trouvailles que je vous montrerai tout à l'heure attestent certainement que la richesse en pierres précieuses, en ivoire et en bois précieux n'a rien d'exagéré. Ainsi, on sait par une inscription de Delphes qu'au IVe siècle, on achetait au Pirée de l'ivoire pour la porte euh, du temple en reconstruction. Hein Donc rien n'est, euh, à mon sens, euh, exagéré. Mais euh, la richesse n'est pas le seul enseignement que l'on puisse en tirer de ce texte. Il montre que les, que les palais comportent des jardins. La description précise de l'arrosage la est tout à fait intéressante, hein, avec tuyaux de plomb euh, cachés. Et on sait par exemple qu'Atrel III de Pergame se livrait au jardinage, et euh, ce souverain sympathique cultivait même des plantes vénéneuses qu'il envoyait à ses courtisans. C'est à des jardins que l'on destinerait volontiers les cours immenses de ces palais. Deuxième enseignement, le roi est un homme lettré qui dispose d'une bibliothèque. On suppose qu'à Pergame, il y avait un accès direct entre le palais et la bibliothèque où se trouvaient aussi des collections de statues. Troisième élément, la voûte céleste qui décore le plafond de cette bibliothèque relève de deux niveaux d'explication. Le roi est aussi intéressé, comme Louis XVI, par les horloges et s'intéresse à la science. Hein, des choses que l'on retrouve hein, euh, par ailleurs dans les textes sur la monarchie. Mais il se met aussi en scène au centre de l'univers, hein, comme notre roi-soleil, Louis XIV. Hein. Euh, et je vous conseille peut-être, si vous avez de telles aspirations, de faire peindre chez, chez vous un ciel étoilé euh, avec les euh, planètes. Enfin, on remarque l'importance des références homériques. L'Iliade et l'Odyssée sont les grands livres de référence où l'on puise des conduites et des attitudes. Songez qu'Alexandre et ses amis jouaient au personnage d'Homère et Alexandre tenait le rôle d'Achille auquel il s'identifiait. Vous aurez remarqué l'insistance de l'auteur sur la qualité des euh, sols, où il a quelques quelques esquisses qui ont été faites euh, sur le bateau de Ptolémée IV, euh, donc, euh, euh, qui comportait lui aussi un petit sanctuaire euh, d'Aphrodite. Vous avez vu qu'il y avait un sanctuaire euh, aussi euh, dans le euh, bateau de Héron euh, II, et là, voilà, des, 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 euh, un essai sur les jardins des, des, des palais vous aurez remarqué l'insistance de l'auteur sur la qualité des sols. On a retrouvé à Pella et à Vergina de nombreuses mosaïques qui couvraient les sols des salles. Elles mériteraient toutes un commentaire comme celle-ci qui se trouve dans les maisons de Pella, mais je prendrai comme exemple une de ces mosaïques qui m'a particulièrement intéressé. Il s'agit comme vous le voyez d'un tapis comportant au centre un décor floral formé de huit entrelacs, euh, répartis sur une, selon une rose des vents. Et dans les angles, le, ces personnages féminins, euh, auxquels on donne le nom allemand de Rankengöttin, la déesse au rinceau, une figure féminine, féminine coiffée d'un polos, donc certainement une divinité, et dont le, car le polos est la marque de la divinité, et dont le corps se termine par des enroulements végétaux. Cette déesse est particulièrement macédonienne et le décor végétal renvoie au désir des rois de tisser des liens avec la divine nature. On jonchait les sols de fleurs naturelles lors des banquets et Démétrios de Phalère, tyran d'Athènes à la fin du IVe siècle, qui finit ministre des Ptolémées en Égypte, inventa le tapis floral. Citons ce texte d'Athénée, 12 542, je cite. Il dépassait, il, c'est Démétrios de Phalère, dépassait les Macédoniens par ses dépenses pour les banquets et les Chypriotes, comme les Phéniciens, pour son raffinement. Des effluves de parfums tombés par terre et, dans les salles de banquets, de nombreux sols avaient été décorés par des artistes avec des fleurs variées. Le décor des sols renvoie donc à un raffinement digne des dieux comme des rois ne soyons pas étonnés qu'au premier siècle de notre ère, un poète latin, Lucain, Farsale 10 107 110, dénonce en ces termes le luxe du festin que Cléopâtre a donné en l'honneur de César. Citation: Cléopâtre étale un luxe tapageur que la société romaine n'avait pas encore admis. Le lieu, c'est-à-dire la salle à manger, en était comme un temple tel qu'en élèverait à peine une époque plus corrompue. Hein » Alors là, euh, vous voyez, c'est le Romain hein, euh, traditionnel, ou du moins euh, qui se veut tel, et qui euh, condamne hein, le luxe alexandrin, et qui condamne donc euh, euh, Antoine comme cléopâtre, dont la salle à manger était à l'instar templi, hein, euh, c'était le modèle d'un temple. Les trouvailles de la tombe de euh, Philippe II. Euh, le père d'Alexandre, une des plus belles trouvailles de l'archéologie grecque des années 70, permet de compléter ce décor en donnant des exemples étonnants du mobilier qui était certainement utilisé dans le palais et exposé lors des fêtes. Hein euh, euh, le texte sur le bateau de Guéron II fait référence au service pour la boisson. Alors, parmi ces objets qui ont été trouvés dans la tombe de Philippe II, mais qui proviennent nécessairement du palais, ils n'ont pas été faits. Hein, euh, pour euh, les, funé les funérailles, on trouve des trônes, on trouve des lits hein, ornés d'ivoire, di même si la restitution de ce lit est mauvaise et fausse, peu importe, euh, le, le, je vous montre l'esprit. Hein, et tout ceci se trouvait eh bien, quelque part dans le, dans le, dans le palais. Euh, et vous avez là des, toutes les petites têtes hein, euh, qui euh, sont celles de la, famille, euh, de la famille royale. Donc on a des lits. Ils sont riches d'or et d'ivoire. Et en plus, hein, on, y met, on y met le portrait, son portrait et celui de sa famille. Hein. Donc le rôle hein, de la, de la euh, dynastie est euh, perceptible et sert euh, donc d'aliment euh, pour les thèmes euh, de la euh, décoration. Il y avait aussi des coffres à bijoux. Il y avait un véritable trésor. Hein, cette vaisselle en argent que l'on utilisait dans les banquets, mais qui servait aussi de cadeau et de réserve de valeur. On la fondait en fonction des besoins pour en faire de la monnaie. Alors, voilà les services de table en argent qui servaient lors des grandes fêtes, on en a la preuve aussi ailleurs. Et remarquons dans cette tombe, alors vous voyez, il y avait aussi une belle cuirasse, un, un, un bouclier de parade, une cuirasse sans doute de, de, de parade. Euh, euh, C'est ce qu'on appelle un l'arnaque, ce qui est un simple coffret à bijoux. Hein, mais qui euh, euh, pesait quelques, quelques 20 kilos d'or. Et en bas à droite, quelque chose de, 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 qui m'a intrigué pendant longtemps, euh, jusqu'à ce que je tombe sur un passage d'Homère. Euh, ce que vous avez en, en bas euh, à droite, en, en bronze, euh, c'est euh, un, euh, un service de salle de bain, hein, avec euh, cette grande chose qui, dans un premier temps, a été prise euh, pour la couverture d'un bouclier, qui est un tub. Hein. Alors on se demande bien pourquoi ensevelir ce service hein, et la réponse se trouve chez Homère. on offrait à l'hôte royal un bain avant le banquet. Et c'est ainsi qu'Ulysse est euh, accueilli chez, euh, euh, chez les Phéaciens. Hein. Et le roi, donc dans ce palais, disposait certainement d'une salle d'eau, euh, non seulement dans son palais, mais aussi dans la partie qui était réservée à ses hôtes. Que faisait-on en effet dans ces palais Je voudrais insister sur trois points. Leur rôle administratif, festif et religieux. Le rôle administratif est le plus facile à évoquer, car on n'a pas identifié, à proprement parler, une salle du euh, trône, hein, euh, à moins que euh, les trois salles euh, de Vergina, dont celle euh, qui a la mosaïque avec la rankengöttin que je vous euh, montrais, ne soit quelque chose comme une salle euh, du euh, trône. Mais il y a d'autres services à identifier, et je ne suis pas du tout d'accord pour penser que ce palais de Vergina soit un simple euh, restaurant euh, euh, pour recevoir les hôtes du roi. Il y avait une administration, le roi était entouré de ses amis, les Philoi. Qui lui servait de conseiller et d'administrateur. Ce n'est que tardivement, au second siècle, et seulement en Égypte, qu'a été organisée une hiérarchie aulique avec des titres. Mais bon, le roi était quand même en, entouré d'un épistolographe pour écrire les lettres. Enfin bon, il faut supposer quand même des bureaux. Hein. Il faudrait aussi placer dans une demeure royale une école où les filles des souverains étaient élevées avec des enfants de l'aristocratie de leur âge. Il fallut bien loger le grand Aristote qui fut chargé par Philippe II de l'éducation de son fils, Alexandre. Mais les salles des palais, comme on l'a vu, étaient peu diversifiées dans leur architecture, et l'interprétation est délicate dans le détail. Faut-il cependant considérer, je l'ai dit, le palais de Vergina comme une grande salle de banquet C'est ce à quoi je ne céderai pas. Je pense que beaucoup de salles étaient polyvalentes et pouvaient servir de local administratif, de chambre à coucher comme de salle à manger. D'ailleurs, on le sait par les textes, ce sont au cours de banquets que l'on discute des affaires du royaume et le roi entretenait une cohorte d'amis. On sait par exemple qu'Alexandre, dînant avec ses amis, dépensait 100 mines par jour pour 60 à 70 convives, soit 10 000 drachmes. Qui euh, euh, représente un poids d'argent d'à peu près 43 kilos. Hein, J'espère que vous recevez vos amis à moins cher. C'est, je pense, à l'occasion de ces fêtes que l'on utilisait les balcons et les terrasses pour entrer en contact avec le peuple. Ces balcons et ces terrasses servaient à la mise en scène royale. Ce n'est pas pour rien, me semble-t-il, que le théâtre à Vergina est en contrebas de la terrasse. On a une bonne description d'une cérémonie qui eut lieu en 336 entre le palais et le théâtre. C'est à l'occasion de cette cérémonie que Philippe II fut assassiné. Alors le texte de Diodore permet d'évoquer très précisément le, le passage du palais euh, au, au théâtre euh, euh, avec des chars qui sont sortis du palais avec la statue des douze dieux et celle de Philippe, en, euh, Philippe de Macédoine en treizième position. Le roi descendant seul, sans garde et en vêtements blancs, vers le théâtre où s'est réunie la foule et recevant les louanges de tous. Hein Moi, je me représente ça un petit peu, vous savez, comme dans les théâtres contemporains où il y a une, une loge et où, quand le roi arrive, les gens se lèvent, se retournent et euh, applaudissent. C'est, euh, euh, si vous voulez, toute une, toute une architecture hein, euh, qui est liée hein, réellement à un. Euh, système de euh, représentation monarchique. C'est sans doute à l'occasion de ces fêtes que les reines portaient ces euh, somptueux diadèmes retrouvés dans un coffre en or dans la tombe de Philippe II. Ils, ce diadème déploie des spirales compliquées de part et d'autre d'un axe central. Les fleurs de toutes sortes étaient montées sur des tiges et vibraient au moindre mouvement de la tête sur le décor floral sont posées des abeilles et des oiseaux. Hein euh, vous voyez, vous promenez dans l'université avec ça sur la tête, c'est superbe. Il me semble que la reine, quand elle portait ce bijou, était identifiée à une déesse de la nature et n'avait rien à envier à la déesse au rinceau. Que sait-on du rôle religieux des palais Je terminerai par là. J'ai signalé que certaines salles, comme la salle ronde de Vergina, avaient été identifiés comme des lieux de culte. Sur le bateau de Hieron, j'ai souligné qu'il y avait un Aphrodisione et il y en avait un autre sur la, ce qu'on appelle le, enfin, sur le bateau de, de Ptolémée IV. Mais l'évocation la plus intéressante est due au poète Théocrite, qui décrit dans l'Idylle XV la fête des Adonia qui se déroulait au palais d'Alexandrie. Le poète, qui vivait à Alexandrie dans la première moitié du IIIe siècle, met en scène deux Syracusaines qui viennent au palais assister aux fêtes d'Adonis, qui comportaient, ces fêtes, une union sacrée entre le Dieu et Aphrodite. Les divinités, jouées par des acteurs, étaient couchées sur des lits. Alors, je cite la Sénète, hein, euh, extrait, extrait du poème de Théocrite. L'une des Syracusaines appelle Gorgo, Alors elle dit ceci à sa, à sa compagne Praxinoé euh, Approche Praxinoé et vois ces tapisseries, à ah, quelle est belle, que ces tissus sont fins, on les voit qui touchent, on dirait l'ouvrage des dieux. Praxinoé répond par Athéna, quelles mains ont tissé ces ouvrages, quels artistes ont peint ces figures, on les croit voir marcher. Ce ne sont pas des peintures, mais des êtres vivants. Combien l'homme a d'esprit, comme il est admirable là, couché sur ce beau lit d'argent et les joues embellies d'un tendre duvet, le trop aimable Adonis aimait même aux enfers. Donc il y a un acteur qui est sur le lit, hein, donc et qu'elle est en train de décrire. Il trouve qu'il est, qu est bel homme. En recevant le dieu dans son palais comme dans un temple, en l'entourant d'objets précieux, en l'exposant couché pour une nuit de noces dans son lit à elle, la reine Arsinoé se posait en Aphrodite et préparait son apothéose. Donc, j'ai voulu vous montrer que le palais royal, grâce aux textes et aux monuments, nous fait entrer au plus profond de l'identité grecque à l'époque hellénistique et que cette étude de l'Antiquité n'est pas sans nous poser de problème sur notre propre mode d'habiter. Je vous remercie.